En tout cas, tu peux répondre aux premières questions de notre frère. Un journaliste paye par aussi de la paix privée de quelqu'un parce qu'on voit. Il y a beaucoup de gens. Parce que nous sommes les Congolais. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont venus au gouvernement pauvre. Oui. Mais dans quelques temps, on voit que un pauvre qui construit des immeubles. Nous sommes obligés de parler de la ministre du ministre là. Oui, c'est normal. Comment quelqu'un qui est venu pauvre au gouvernement, six mois après, est devenu riche. C'est normal de parler. C'est normal. Gossip, gossip d'IRC News avec Jazz Gavoulou. Les gens aiment bien juger certaines actions qui sont en réalité des réactions. Vous voyez? Et généralement, pour nous qui avons choisi le rôle de faire l'effort à la télé, un Ken Piana fort à la télé, un Franck Semaï fort à la télé, on est souvent victime d'agressions. Et auxquelles on ne peut pas répondre parce que, bah, Ken Aloba, Ken Kakamoutou, Abandaki. Et de faire quelqu'un à Yéni, on a dit, il y a ça qui est mis sur le bidon, il y a un messer ou un bandit. En réalité, dans ça, il y a le roté, un bandit dans le Mongaï. Comme il y a un niveau, il va s'en rendre à ma paix solo. Donc je dois me défendre. Parce qu'on n'a pas se défendre depuis autant à la télé. Non. Parce qu'être un modèle, c'est bien, mais être modèle ne fait pas de moi une personne parfaite. Attention. Les prêtres et nos pasteurs, ce sont des modèles, mais ils ne sont pas parfaits. Ça fait un bon bout de temps, on voit des vidéos qu'on n'aurait pas dû voir de nos pasteurs. Ce n'est pas une raison pour que tout bébé ça fout la mise en Jésus-Christ. Gossip, gossip d'IRC News avec Jazz Gavoulou. La première fois, il a Barana, il Zoulouki et Bimissi. Et Bimissi, il a même Zoulouki. L'homme dans l'équipe d'émission a critiqué mes gens en Akinon pour te gagner la mort chère et la bête du côté. C'est le tout bon à parler avec le sang. Gossip, gossip d'IRC News avec Jazz Gavoulou. La mort est devant ta porte, il faut supporter. C'est un des avantages de ce métier. Les avantages, il y en a plein, je ne sais plus. Bandela, mais les avantages, il faut dire, savoir ce que Bangui, si tu veux vraiment faire ce travail, il faut savoir que tu as admis, tu as encore ta prison à tout moment, ou encore à mourir à tout moment. Donc c'est ça en fait, parce qu'il faut dire la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, tu n'es pas un bon journaliste. Et ça, la réalité. Et tu auras des problèmes comme... Salut tout le monde, c'est votre artiste Inos B, le jeune leader Yamboka, le Molodo et leader. C'est juste pour vous recommander de vous abonner massivement sur la best chaîne YouTube Gossip DRC News, number one on YouTube. Gossip DRC News. Le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game. Gossip, gossip DRC News avec Jazz Gavoulou. Hein, on parle plus trop. Presse en ligne. Avec intelligence, avec sagesse, tout ça. Pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes. Hein. Nous, on est serviettes. On ne dépend pas des torsions. Gossip DRC News avec Jazz Gavoulou. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Pra! Bonjour, alerte générale, abonnez-vous sur Gossip, RDC News, Jai, Gossip, RDC News, les bosses, ah. Beaucoup de façon.
par le temps dans la vérité. En plus, nous sommes à 16h. J'ai une question à vous poser. Vous nous avez dit de nettoyer nos mains qu'avec des solutions hydroalcooliques et alcooliques. Or, des fois, on voit à la télévision, les gens nous disent que s'il y en a... Bon, j'allais vous poser une question. S'il n'y a pas, de solution hydroalcoolique ou encore alcoolique, qu'est-ce que nous devons faire pour nettoyer nos mains? Soit laver les mains comme ça avec de l'eau ou comment? C'est ça ma question. Je réponds à l'écouteur. Ma question est celle-ci. Est-ce que forcément que si tu as la fièvre et tu tousses, est-ce que le journalisme occupe une bonne place en RDC? Pour éviter de dire occupe une place, donc une bonne place, une meilleure place. Merci, ma belle. Nous sommes là. Je pense que vous êtes très jeune, vous avez l'âge d'être ma fille. Vous avez quel âge? J'ai 17 ans. Bah voilà, vous avez l'âge d'être ma fille. Donc voilà, si on se connaît aujourd'hui, c'est parce que vous m'avez vu à la télé. On ne m'avait jamais vu sur votre avenue ou ailleurs. Le journalisme a sa place. Maintenant, ça dépend de la manière dont on l'oriente. Vous voyez? Et puis, je ne sais pas, quand vous dites sa place, c'était de manière sociale. Si c'est de manière sociale, je dirais oui. Par exemple, aujourd'hui, quand vous avez un problème dans une avenue, ou un grave problème qui nécessite une intervention qui tarde à venir, il y a la fameuse phrase des... Bataille la tsou likambo, appelons papa Molière, appelons Kimgani Baya pour filmer. Donc vous voyez, donc le journalisme a toute sa place. Maintenant, ça dépend de la manière dont on oriente le journalisme. Le journalisme a sa place. Après, si vous parlez de place en manière pécuniaire, c'est vrai qu'en RDC, le journaliste n'est pas très bien rémunéré. Et ça, c'est pas trop, on va dire, c'est l'État qui doit trouver une solution à ce problème. Parce qu'il ne faut pas octroyer des licences d'exercer à n'importe qui. 80% des chaînes de télévision en RDC sont dirigées par des profanes. Ils ont eu un peu d'argent ou ils ont des ambitions politiques, ils achètent un émetteur, ils font ce qu'ils ont à faire, ils utilisent leur influence et ils commencent à émettre. Et du coup,
Ils ne font pas du journalisme. C'est là que je parlais de ligne éditoriale. Ce sont des outils de campagne, des outils de propagande. Donc sur cette chaîne-là, soit on dit que du mal de Franck Semaille. Sur cette chaîne-là, on dit que du mal de Ken Kiana ou de Madame Niaké de Kelo. Sur cette chaîne, on ne dit pas de bien d'autres personnes ou on ne valorise pas d'autres actions parce que la chaîne est un outil de promotion. Vous voyez ? Ça aurait pu être un outil de promotion pour tout le monde. Mais puisque c'est à partir d'un individu qui a un objectif, il oriente son média, c'est son argent, c'est ses caméras, c'est son staff. Donc voilà, il fait un peu ce qu'il veut. C'est à peu près ça. Mais le journalisme, à sa place, c'est un très beau métier qui vous permet, qui vous donne beaucoup de facilités. Celle de vous rencontrer aujourd'hui, par exemple. Vous voyez, vous pouvez avoir un problème aujourd'hui, mais le fait qu'on connaisse votre visage en bien ou en mal, on peut vous aider ou vous faire du mal. Donc le journalisme a toujours eu sa place. Après, je pense qu'il y a lieu de mieux structurer les choses de manière à ce qu'on ne soit pas connu en ayant une poche moins... voilà, vous voyez. Dans ce sens-là, donc je pense qu'il faut travailler sur ça. Et mettre les personnes qui faillent à la place qui faillent. Voilà, je ne sais pas. Troisième question. Qu'est-ce qu'il y en a au ouais. Oui. En tout cas, tu peux répondre aux premières questions de notre frère. Un journaliste est payé par aussi de la vie privée de quelqu'un parce qu'on voit. Il y a beaucoup de gens. Parce que nous sommes les Congolais. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont venus au gouvernement pauvre. Oui. Mais dans quelques temps, on voit que un pauvre qui construit des immeubles, nous sommes obligés de parler de la vie privée du ministre là. Oui. Comment quelqu'un qui est venu pauvre au gouvernement, six mois après, est devenu riche. C'est normal de parler de privé. Oui, c'est normal. Et après, c'est vrai que c'est un travail aussi d'investigation, comme on a dit, c'est on enquête. En fait, c'est pas une attaque gratuite. C'est on parle de sa vie privée parce qu'il nous choque. Voilà. Donc, je pense. Et puis, comme a dit Franck Semaille, j'ai renchéri sur ce que dit M. Ken Kiana, c'est que. On ne se pose pas ces questions-là tout bêtement. C'est des questions qui titillent parce que les personnes sont sûrement sous les projecteurs. Voilà, il ne faut pas s'enrichir lucidement. Donc on se posera des questions sur votre richesse. Et aujourd'hui, il y a la fameuse expression « état de droit ». Il y a l'état de droit pour les uns, et puis il y a des manipulateurs de l'autre côté. Il ne faut pas, parce qu'il y a état de droit, tu fais du mal à Ken Kiana, et tu vas pleurer les premiers là-bas, état de droit, non. Voilà. L'état de droit, ça doit servir à tout le monde. Voilà. Et à l'évolution de notre beau pays. Voilà. Très bien. Monsieur Dufou. Ma question, c'est celle-ci. J'ai quatre questions qui vont dans le même sens. D'accord. Le premier, c'est, tout ce que vous êtes là, vous êtes journaliste, mais quel a été le motif qui vous a poussé à devenir journaliste? Ça, c'est ma première question. La deuxième est... C'est ce qu'on va faire, Raphaël. Oui. On pose la première, pose, nous répondons et on enchaîne. Oui, ma première, c'est... À nous tous. Oui. D'accord. Le motif qui vous a poussé à choisir le métier de journaliste ou à devenir journaliste? D'accord. Moi, je commence. Oui. Ma première question, que la plupart d'entre vous ont été motivés par ce que vous pouvez avoir une bapoisée ou ma deuxième question, c'est pendant tous vos moments, avez-vous eu un moment de faiblesse où vous avez un peu regretté votre choix? Moi, non. Moi, je n'ai pas regretté. Il y a quelques années, j'ai perdu mon fils. Et les gens, ne sachant pas sur quel plan m'attaquer, parce que j'ai un fort caractère, ils célébraient les décès de mon enfant. Après, dire que ça a été un moment de faiblesse, oui, j'ai eu mal. Perdre un enfant, ce n'est pas facile. Et voir la fête à la télévision régulière des confrères, des consoeurs qui étaient contents que j'ai perdu mon enfant, parce que pour eux, le fait que j'ai perdu mon enfant, c'est d'avoir Katina mon encore. Donc quand j'ai entendu que moi n'a pas pu faire un au craqué, il peut se mettre à armer, la grande zone qu'elle nous a fait la donner le craquement aux années. Craquement aux années, ni n'amour, n'amour. Vous voyez, dans la vie, il y a des choses qui vous arrivent, qui vous fortifient, qui vous font grandir. Après, pour moi, je peux dire que ça a été un moment de faiblesse qui m'a rendue forte parce que j'avais beaucoup d'amis à l'époque. J'étais une fille qui traînait en bande, j'avais vraiment. Quand Ken m'a connue, j'avais une terrasse, donc j'avais beaucoup d'amis. Et quand je me suis mariée, j'ai perdu mon enfant. Ce sont mes amis qui se moquaient de moi, mes confrères, mes consoeurs. Je voyais à la télé, genre,
Oui, à Koufi Dramana, des émissions, on se moquait de moi, tout ça. Donc ça m'a pas découragée de mon choix. Par contre, ça a confirmé mon choix. Si autant de personnes s'unissent pour insulter une seule personne, ça veut dire que je suis forte. Donc pour moi, ils m'ont tout simplement montré que j'étais forte et il était temps que je leur montre que je valais ce que je valais. Donc voilà. Moi, c'est pas toi, c'est au début. Hein. Moi, c'est au début, comme j'avais dit, quand j'ai commencé, j'avais pas de salaire. Hein. Et le jour où on décide, j'ai 7 mois après, c'était 50$. Mais le jour où on décide de me payer un salaire de 50$, on m'engage dans un grand projet et je touche 1650$. C'était le projet Vodacom Best of the Best en 2015. Vous comprenez? Donc, c'était. À un moment, je me disais, mais pourquoi je fais ça? Je ne gagne rien. Nazora 207. Nana 1000 francs 4. 500 des bonhommes T24. Nana 500 euros Zongananda. Tu vois dans quoi j'étais? Mais c'est avec le temps et après. Et une chose, je ne dis pas que c'est une faiblesse. À un moment, ça me touche à fond, c'est que je ne peux pas me permettre de faire les choses comme tout le monde. C'est là où, à un moment, je suis vraiment en guerre contre moi-même. Il y a de ces choses que je ne peux pas faire. Par mon éducation et tout ça, je me dis, mais qu'est-ce que les autres penseront de moi? Donc, je ne vis plus pour moi, mais pour ce que les autres voient. Et si je suis modèle pour les autres jeunes qu'il y a ici, ce qu'il y a de ces choses, je ne peux pas. Tu ne peux pas me croiser. Je ne peux pas me permettre de rester dans un bar, prendre mon verre tranquillement. Mouniga va dire au bout. Tu vois un peu ce que ça donne? Mais peut-être j'aurais bien envie de me faire cette mécréité avec les amis, mais je suis obligé de le faire et faire en catimini, tu vois. Et ça, c'est compliqué. C'est tellement dur. Tellement dur. Tu n'as pas de vie pour toi. Moi, je suis marié aujourd'hui. Mais toutes les filles que je croise, que j'enlève mon anneau, déjà, il est moi signé. Attends la Lomoulaki. Oh, yo, ça va moi. Mais finalement, ça m'aura pu faire. Tu vois, ça reste banal. Mais ça, j'allais quand même éclater en disant, je vais draguer telle fille, je vais m'amuser, tu vois. Mais c'est des restrictions. Ça te responsabilise plus. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une guerre que tu as tous les jours. Non, mais après, il y a une petite phrase, permets-moi, que je voulais rajouter par rapport à ce que vous avez posé comme question. Sur le jugement des autres. Moi, par exemple, je n'ai rien à faire de ce que les gens pensent de moi. Donc, il faut que ce soit bien clair. Donc, ça, c'est dans mon caractère. Donc, si tu me donnes un coup de poing en espérant que pour la lecture à la TV, non, bête, on a un risque aux hommages et tout. Donc, voilà. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société où il ne faut pas encourager. Parce que les gens aiment bien juger certaines actions qui sont en réalité des réactions. Vous voyez? Et généralement, pour nous qui avons choisi le rôle de faire l'effort à la télé, un Ken Piana fort à la télé, un Franck Semaille fort à la télé, on est souvent victime d'agressions. Et auquel on ne peut pas répondre parce que je me dis que quelqu'un a le bac, a Bandaki. Et de faire quelqu'un a eu lieu de la dire, il y a ça qui est mis sur le sommet, en réalité, la salle n'a rien le côté, comme bien un niveau, il va s'en ma paix solo. Donc je dois me défendre. Parce qu'au moment, on ne va pas se défendre depuis autant la TV. Non. Parce que être un modèle, c'est bien, mais être modèle ne fait pas de moi une personne parfaite. Attention. Les prêtres et nos pasteurs, ce sont des modèles. Mais ils ne sont pas parfaits. Ça fait un bon bout de temps, on voit des vidéos qu'on n'aurait pas dû voir de nos pasteurs. Ce n'est pas une raison pour que tu ça. Fou en la mission en Jésus-Christ. Ça veut dire, il y a son qui a compte, il y a un monde. Tu peux aimer Noëlla Madinga, aime mon travail, mais n'aime pas ma personne. Après, moi, je ne vends pas ma personne. Parce que ma personne, il y a un autre qui nous soumet. Et ça, m'a les karaté. Il y a des choses où il y a. Et c'est Pélis à côté, oh on a, et ça me fait. J'ai donné les bêtes exemples, moi on a couvert, on va devoir ça à fête, ça ne me choque pas. Ouais. Parce que je m'en fous, je sais que moi on a canguiné ma porte, et ma cimetière, et puis on a c'est pas pour au couf, on a au couf, on a un peu de nom, on a un peu de nom, on a suscité un peu de nom. Pour Hollandais. Si Hollandais, t'es moi, non pas Hollandais, t'es moi, on a un Hollandais. Si tu viens, tu me dis par exemple mal éduqué. Moi tu peux me dire imbécile, ça passe, mais si on est mal éduqué, attends, n'attends, t'es liste. Parce qu'on te finit un papa abusé. Pourquoi tu vas me traiter de mal éduqué? Mal éduqué, c'est une injure grave que beaucoup des jeunes et des parents au Congo utilisent. Oui. Oh, oh, ça mal éduqué. Tu es au final mal éduqué, tu es papa à bisoter. Tu es au final mal éduqué, tu es maman à bisoter. Le mal a impoli. Le mal a s'appelé naïoté. Le mal a tu as été discours, ce qui discours, toi, ce qui est en français. Trouve les mots, mais ne dis pas mal éduqué. Nous sommes mal éduqués à toi, on a 70 ans au Bundi. Ouais, c'est beau filmé. Donc voilà, être un modèle, c'est pas seulement vivre pour les autres. Oui, tu vis pour les autres parce que tu dois donner le bon exemple.
Mais il ne faut pas juger votre modèle le jour qu'il faillit, parce qu'il a failli. Demandez-vous dans quelles circonstances aussi il a failli. Nous vivons dans une société où on juge trop les gens. Vous savez, vous avez la chance d'avoir une bonne éducation. Mais un bâton de soukien, il n'y a pas à lire. C'est-à-dire, il n'y a pas place à faire, il n'y a pas à faire, par exemple. Il m'a expliqué que les lots au liaté, l'itchété, l'iliété. Qu'est-ce qu'il y a dans la moussalaté, l'itchété, au candi, qu'est-ce qu'il y a dans le Ok, pensez ça, c'est un mohibi. Mohibi, pourquoi qu'il y a dans le coin? Il y a dans le coin. Il y a dans le bébé, il y a dans le coin. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le bébé, sa réputation, il y a pour sauver bébé. Vous voyez, il ne faut pas juger les gens sur ce que vous voyez ou sur ce que vous entendez. En tout cas, ça a un débat. Il y 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 a un débat. Siko, façon dont on va vivre dans le Congo, na biso, et ça lance na biso dans la gare Masumu. Bon, non loba, ça na magam moi belé oh, il faut na loba. Moi ni na musala oh, moi bah risque zé belé. Si on prend ni belé musala, il faut demander la prison. Netinga, na somba elamba moboé. Griffe à faire, c'est là que nous avons dit ça. Griffe à faire. C'est là, pardon. C'est là, on a fait pas chocolat. C'est là, on a dit ça. Quand je fais quelque chose, il faut que ce soit un peu... Ma tasse à la couverture médiatique.
Ok. Parce qu'on a qui te montre un organe qui nous bat par hasard. Moi, je me disais, quand je fais une émission, je poste sur Internet, tu vois, des coups de fil de partout. Hein, la France t'appelle, la Belgique et tout. C'était ça, la motivation pour moi. J'ai dit, ah, quand même, si ça va. Et deuxièmement, tu es quand même embauché, on te paye. Le premier salaire, pour moi, c'était un petit $100. $100 Le double de Jonathan. Voilà. Et avec $100, tu dis, je travaille pendant au moins 5 ans sans salaire. Mais maintenant, c'est réglé. Chaque fin du mois, tu as au moins ton $100. Tu sais bien t'organiser. Et c'était comme ça, ça m'a encouragé. Et jusqu'à aujourd'hui, devenir patron de ma propre chaîne, ou de ma propre boîte, si vous voulez bien. Parce que c'est un site internet. Il y a la chaîne YouTube, il y a aussi la presse écrite. Donc voilà un peu. Je gère des gens maintenant, je paye même, je suis patron. Et si j'étais découragé à cette époque-là, je n'allais pas être patron aujourd'hui. Donc, il faut vraiment tenir bon. Même s'il y a des problèmes, il faut croire en ce que tu fais et tu verras bien. C'est une question. Je ne fais pas trop de soucis, hein. Ouais. Je viens de commencer à peine. Non, ça va. Je suis boss moi-même. Je ne fais pas trop de soucis. Bon, bref. Au bout de femme, c'est au contraire. Moi, par exemple, sur Digital Combo, j'ai eu beaucoup de problèmes. Le problème, c'est que je suis combative. C'est ce que je. En fait, moi, je n'ai rien à faire de ce que les autres pensent. C'est ça, en fait, ma force, qui est aussi une faiblesse, parce que je vous ai donné un exemple. C'est quand quelqu'un me trouve en train de me bagarrer avec Néné et Abalobi, oh, on a un matin, t'as doyé Moutabani. Non, c'est Néné et Néné Moutabani. C'est à Bandana, t'es bien belé, que je n'ai pas l'autre, t'as Néné appelé l'eau. À Katana, mon tout aussi là, vous voyez. Maintenant, toi, tu m'es tombé dessus, jour à aussi là, pour bloquer la qui, oh, t'as un matin. C'était du genre, j'arrive, mon plateau, je l'avais acheté moi-même. Mais tu trouves quelqu'un assis sur les chaises que t'as acheté pour ton. Tu lui dis Téléma, il te dit il a reçu un pasteur. Est-ce que le pasteur il a prié pour que j'achète une chaîne, hein? Parce que c'est une réalité. Dans les chaînes de télé, les Arakites, ils m'auront 12 émissions. Si vous prenez émission avec Makitoko, je vais vous faire un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Oui, micro na kitoko parce que je suis un caméraman, je suis un peu de temps. Je suis un micro, je suis un peu de temps. Je suis un peu vraiment, je suis un peu de télémie. Alors, pour moi, il faut un babino qu'on a une équipe. Donc, quand tu arrives à l'émission, tu as un babino qui est un babino. Si tu as un babino, tu as un babino qui est un babino. Si tu as un téléma, tu as un babino poli. Vous voyez? Si tu as un babino qui un babino, tu as un babino qui est un babino. Tu as un babino qui est un babino qui est un. Vous voyez, c'est un peu ça. En fait, ton coup dans le combat, moi, il est tellement sale que moi, je suis découragé. On est. Les athées, vous êtes découragé, ils m'ont dit au Kimi. De fois, vous m'avez dit, vous n'avez pas 4 ou 40. Voilà. Au moins, la question, il y a beaucoup de questions. Hein. Mais oui, la dame au fond, on va de l'autre côté aussi. Ma question est celle-ci. Je peux savoir les avantages et les désavantages du journalisme. Ah, avantages. Il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, la dernière fois que j'ai acheté un billet d'avion avec mon argent, genre. Donc, chaque fois que j'ai acheté un billet d'avion avec mon argent, c'est genre je vais en vacances. Et encore, même quand je vais en vacances, tu arrives dans un pays où on t'a vu, tu as des cadeaux, tu as un bel accueil, tu as des choses comme ça. Et je peux même dire pour moi, je paye, enfin, je paye pour ma fille. C'est-à-dire que je ne paye même pas mes propres billets d'avion, tu vois. C'est gratuit, tu arrives dans un endroit, ah, je t'aime bien. Quelqu'un te fait un cadeau, tu arrives à un endroit où tu dois payer un service, il y a quelqu'un qui te reconnaît, qui dit, tu sais qu'on a là. Parfois même, c'est dans des supermarchés, tu arrives à la caisse, une dame te dit, non, tant pis, tu n'as pas compris, tu. En tout cas, il y a beaucoup d'avantages à faire ces métiers, parce que le fait qu'on vous reconnaisse dans la rue, c'est pas rien. Vous voyez, c'est pas rien, ça offre beaucoup d'avantages. Donc, il faut bien se servir, tout simplement. Il ne faut pas en abuser, il ne faut pas se transformer en mendiant non plus. Garder sa valeur, mais c'est vrai qu'on reçoit beaucoup, on reçoit beaucoup d'amour. Il y a deux fois que tu sors de chez toi, tu es triste, mais tu rencontres quelqu'un à Balaba, la Lingabo Ming. Journée Bongi, quand on compte la Lingabo Ming, après sinon, ce bolingo-là, c'est bien. C'est là, l'occasion, tu vois, quand on a vu ça, ma petite sœur, on a vu ça, bonjour, on a ma petite frère. Ma désavantage, je fais dans mon cambo, surtout, quand on a vu ça, il y a des gens qui ont beaucoup, tu en as profité, femme, c'est ma zana, ne pas zana, ne la magique zana. Bande qu'on a mis sur Bélé. Yo posa wana. Yo sa mwa amasi. Na ote ya bande qu'on a mis sur Bélé. Yaba abasi.
Ah. Quand il y a des mille mille, il y a un site. Ok. Bah, dès qu'on a vu ce belé, bah, il y a un site. Ou bah, ça a mille mille, il y a un site qui a un site. Nettingande na boe na zana ba na basi non c'est pas occasion oui oui ok donc quand Musala quelque part peut-être c'est bien à Musala moi d'ailleurs la caméra mais non la zèbre sabi moi na Musala oyo avant penato peso lupemba babandi ko peso exigence oyo na zoki magoloba ngo na caméra bino moko bosa la nini bosa pas quoi net bino moko bosa est-ce que bosa pas quoi était madame na loba. Ok, alors, il y a un conseil gratuit, ceux qui ont une vision à Moussala, Moussala et Comélio, tant qu'ils posent un débat, ils sont basés. Aucune place, ils ne vont pas se poser au Congo. Boya n'a pas de travail, mais ils ont un soukounaté. Donc, et ça, il y a un passé. Si tu as un débat, vous pouvez voir le site internet. On a besoin d'un abonné, on a besoin d'un basse niveau, basse télé, même d'un basse à la télévision. Basse à la télévision avec un castré. Même d'un basse à la télévision. Au moins, pas toi, à TV, à Koffi Nasida, finir sur les gars, la chaîne Naye, à Tigelesi. D'un boss à la Mayeli. Et ça, c'est un peu comme ça, on a un masque qui était. Boss à la Mayeli. Donc, ça va. Moi, je suis dans un peu. Des avantages, en résumé, des avantages, monsieur Ken, qui a bien dit, et ça que. Tout ça, milieu de mon poste, ça a une autre prostitution et des donc, il y a pas ça parce que les conséquences sont réelles. Ouais. Tant que vous commis une autre chose, vous avez noté que vous avez après, vous avez fait un peu de temps à ma parce que vous avez fait un peu de temps tranquille, il y a différent à l'Iwa, vous avez fait un peu de temps à l'Iwa, vous avez fait un peu de temps. Je pense que c'est dans ce sens-là, en résumé, il n'y a pas de temps. Oui, mais on voit par exemple les avantages. C'est que ce métier, ils ont permis que vous puissiez tous les jours, aux yeux élargis à cercle. Moi, je suis devenu conseiller au ministère du budget, conseiller d'un ministre, je n'avais que 25 ans. Je n'avais que 25 ans. Ma grande soeur le voulait hériter moi. Le jour où même j'ai reçu cette offre, je suis dit, pour que je ne sais pas comment ça, c'est une émission digitale pour moi. Ça vient ici à la conférence de presse. Donc, tu es là, vous avez dit, il faut que je ne sais pas. Pour que les gens ne soient là pour pouvoir. On a posé une question là qui soit déjà intéressante à la conférence de presse. Nous avons dit que nous sommes là pour que nous soyons là pour que nous soyons là pour que nous soyons là. Deux jours après, nous avons dit que nous sommes là pour que nous soyons là. Nous avons fait les cérémonies, nous avons fait l'événement. Ok. Nous avons dit que nous sommes là pour ministre. Nous sommes là pour que nous soyons là pour que nous soyons là pour que nous soyons là. Si j'ai la chance d'être reconduit, gouvernement Pébiman, là la pioche de la boule à Badino, c'est tout. Il a un autre qui a été la zone à peine à 8 heures pour la poste. Je m'imagine, c'est peut-être la zone à TV, qu'est-ce que la salle à côté. Tu n'as pas tout à l'heure pour la zone à Badino, c'est tout à l'heure. Au moins, il y a un avantage. D'accord, ils ont ma rencontre. Ils ont la bicycle à Moussou, par exemple, pour les voyages à l'interdit pour la Badino Sous. Mais du fait que quand tu as pas eu, tu as la salle à Wana, tu as la moins crédit. Il y a un mot et pas à battre. Tu vois, c'est. Les deux, on a beaucoup plus d'influence. Il y a que Oyo, Kamaram, Napoloba. Que peut-être ceux qui papa et maman réellement balobia. Tu vois, toujours à rôle, la sens, on a beaucoup plus d'avantages. Là, il faut qu'on s'en servir bien. Tu vois, les avantages, je ne connais pas tellement. Tu vois, là, on pas des avantages. Là, les avantages, je n'ai pas. Là, les avantages, je n'ai pas. Cause à la petite terre, il y a. Oh! Na camarade ya ta gendre. Ma réputation est bête. Je problème de parce que le chat mais quand na camarade no kala ne je dis ça. Nga na uti ko. Asi ye ba na camarade ya mbongo. Yo ba na za mbongo za za na mwana mke. Je suis que ba na za na mbongo. Nga des avantages de ça. Vous avez la petite sœur ya Noela na kozala copine ya Karine. Pourquoi je dis ça? Parce que ma porte est belée et j'ai la rana, il y a aucun problème. En plus, dans un des avantages, mon corps, il y a ma casse qui sous la vie. Pendant la bandit, mon corps, il y a la petite soeur, il y a un directeur, il y a Sancir. Et par mes tarangas, il y a un musicien, il y a un orchestre, il y a un facilement. Parce que, notamment, la camarade Karine, hé, tu es là, tu es là, tu es là, ensemble. Nous avons déjà à Royambara. Nous avons
grand frère nana a caravane monnaie pour nana zaraka te nazaka mo amke de yo ya na yo tu vois le comment côté nana même na moi nana ya nana na mis soit partout à la télé je fais ça ça m'a créé des problèmes dans ma famille mais j'avais pas le choix parce que au coup les calais c'est comme mon communauté yo c'est comme pesi ka combo aux années qu'un an ni quoi te yo te en fait, allez, Déjà, tant que nous n'avons pas réagi, elles n'ont pas à la cabongo. Comment on dit? On a des lignes. La vie pas. On c'est mieux pour mieux rester chez moi que aux Zanadibanda ou même créer des problèmes. Donc c'est un peu difficile pour ça. Donc des avantages à vie, non? Non, mais je veux trancher. Pour répondre, les désavantages, il y en a beaucoup parce que le travail des journalistes, c'est d'abord il faut savoir dire la vérité. Or, la vérité pour beaucoup de personnes dérange. Donc, tout journaliste, d'abord la prison est à côté, la mort est devant ta porte, il faut supporter. C'est un des avantages de ce métier. Les avantages, il y en a plein, mais les désavantages, il faut dire, savoir ce que bangi, si tu veux vraiment faire ce travail. Il faut savoir que tu as admis, tu as encore ta prison à tout moment, ou encore à mourir à tout moment. Donc c'est ça en fait. Parce qu'il faut dire la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, tu n'es pas un bon journaliste. Et ça, la réalité. Et tu auras des problèmes comme ceux des amis des Guinéens, ou à Zarabomo. En fait, les gens veulent que tu puisses au maquiller vérité pour ces personnes. Mais pour ça, ils concernent au quotidien des personnes mal au badé. Là, c'est à 0 ou à 20. Là, c'est compliqué. Quand tu commences à faire ça, il faut plaire aux gens, tu deviens un mauvais journaliste. Et quand tu veux être un bon journaliste, tu auras plein de problèmes. C'est ça en fait la réalité. Et on voit la prochaine question. Moi, Zen Fatouma, elle est de la 8e année au complexe scolaire Saint-Michel. Ma question est celle-ci. J'aimerais savoir votre idole. Mon idole? À moi ou à vous tous? À vous tous. D'accord. On commence par là. Azan et Sabino. Moi, je suis commerçante. Moi, là, je suis commerçante. Je n'ai pas faire un miongo. Là, je me sens à l'aise. Tu vois? Ça, ton idée, c'est Mario. Non, en fait, moi, je vous dis, je me dis, je fais ça pour faire plaisir à mon papa. Ça, c'est quoi son métier? Oui, moi, je suis en commerce, je suis en 1000 francs, je suis en 1000 francs, je suis en 5000 francs. Je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire. Moi, mon idole, c'est Honorable Zachary Barabas. C'est sa ville. Oui. Honorable Zakaria Barabas est le président de sa ville. J'aime la façon. J'aime beaucoup Zakaria Barabas et le président de sa ville. Parce que le président de sa ville, c'est un grand courageux. Hein? Que son âme repose en lui. Merci. Moi, je n'ai pas d'idole en particulier. En fait, moi, c'est du genre, j'apprécie un tas de gens. Je n'ai pas d'idole parce qu'en fait, moi, ma télévision, c'est. Quand on est dans la télé, on est dans la télé, Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, j'aime beaucoup. Par exemple, quand je regardais les journaux télévisés toute petite, j'aimais regarder Madame Chantal Panimo. Ma préférée, c'est. Pour ses tresses. En fait, j'aimais sa voix. Elle a une diction à l'Obarapina, sans l'Obarapo. On dit à reconsauter. Donc, à l'Obarapina, ça sûr, à
avant l'autorité, mon avoir. Chantal Daniel. Non, non, Wivine Moléka. Autorité, mon avoir, Wivine, attends, Wivine, en cours, ça, pour voir quand ça a raison. Donc, il m'a bien, l'autorité dans la voix de Chantal, de Wivine. J'aime la fermeté sur le visage de Chantal Kanimbo. Et dans un moment où Wivine, il m'a bien, à Koufapé, et à son âme, maman, Célestine, Zako, Mibakondo. Il y a un autre qui a été en train de Mamie, il est là, il est là, il est là, mais tellement mon bon, c'est la douceur. Après ça, il donne nos boquettes. Pour ça, ma tourne des boquettes. On vous la donne nos boquettes. C'est des biches. Non, mais en fait, c'est ça, c'est un attend la table à te bêler un peu là en bas. Mais si comme j'ai une personnalité forte, mon côté, tu vois, mon côté, mon côté, à mes mamans, mon côté, 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 oh, on a pas ça, il colle la personnalité là, c'est un peu ça, je pense que... Mais il faut expliquer un peu, apporter un peu, c'est internet est à la calme, brutalité, n'a formé moutouma en boutoumou. Vous voulez la mission Karine Mokos. Karine a zalane dansé, au commissaire. Oh, a zalane dansé, au commissaire Mokos. Tiquet, tranquille. Il y a pas émission. Là oui, histoire à moi, c'est la bine à casse. C'est la bine à casse. C'est la dansé, dans la dansé, à tique à casse. Mais la minute, ce qui est bien, Azara quelque part. Non, Azari est sous mon amour, on peut fierté parce que dans la beauté, école, pour animation, télé, c'est les grandes écoles à trouver la matinée. Pour l'école, Azari est sous la bine, on va péquer ça. Dans différentes écoles à TV, l'animatrice, on va spiquer, il va la maman Jacqui Betokongeli. Tant que maman Jacqui Betokongeli, il faut beau tabatou, et comme Zakari. Zakari a beauté pour Zakari, tant que maman tabana n'a pas qu'elle piana, pour l'aime qu'il y a sa face bébé bébé. CHK et BP, Azari n'a pas police. Mais quand on a une domination, on a une école à Zakari. Malheureusement, l'école à Zakari, place et c'est école dans la chance. Et l'école à Zakari, il faut encourager, mais il va mourir que bien. Donc, tout le monde peut finir. Zakari, ça nous a dit. Si on parle à Zakari, il faut que ça nous a dit. Mais ça va mourir. Vous au moins, si on parle à Zakari, il y a un risque. Il y a une école à Zakari pour faire un bar. Il y a un moment une école à Zakari, il va survivre à la moitié de la Pékin, ça, ça, n'a pas. Quel piano. Bah, Zakari, mes condoléances, la TV, bah, si elle aura un monde. Wana, que papa, tu es fou, ça, n'est qu'elle. Donc, Nicolas, ça, n'a pas fait un gars. Ah, donc, bref, je suis dans un sujet sérieux. Bref, Zakari, pour toi, qui va pas choper la bourse à l'année. Mais gentil, gentil. Moi, c'est l'école de Zakari. Après l'école de Zakari, tant l'école à Zakari commet tellement agressive. Et c'est dans les ponts, les bottes. Ne place si vous, l'idée en fait, nous avons songi, à côté. Non, la côté, c'est un papa Molière. Mon papa Molière, un peu moi. Grania, au songi, à moi, ma songi, songi. Mais vous voyez, ça va, moi, la vieille. Pour moi, la côté, l'école va songer. L'école va songer, la police numéro 1, papa Molière. Papa Molière, Je suis un peu plus de temps. Je suis un professionnel. Donc, quel bien avoir critiqué, n'a pas été pour le bâtiment, n'a même pas beaucoup de monde. Je me rends des médias à la télé. Comme il m'a déjà carré, les années sont mis bonnes. Bonnes d'amour. Bah, ton frère, tu peux bien avoir tout le temps et belé à ça. Ok,
C'est mon idole et je l'aime. J'aime sa façon de faire. Moi j'ai trois modèles. J'ai Arsène Kamango. Il y a Claudicia de RFI. Et en dernier, il s'agit d'un Américain que je trouve fou, mais qui s'adapte à notre comportement. Jimmy Fallon. Ce sont les trois modèles que j'ai. Les gens que j'ai suivis de très près. Je ne parle pas de leur comportement, mais leur aisance. Quand ils prennent la parole en public, leur façon de se comporter, m'a beaucoup enrichi. Et moi, ce qui me rend heureux tous les jours, c'est d'avoir eu la chance de travailler avec Arsène Kamango. Et j'en garde vraiment précieusement aujourd'hui, c'est que c'est une personne que je voyais à la télé. Et qu'aujourd'hui, on peut se rencontrer, on se fait des câlins, on passe du temps à rire. Je me dis que ce métier, ça avait quand même de la peine. Il y avait quand même de la peine à ce que je le fasse, en fait. Et peut-être Claudicia, j'espère si Dieu me dit, on se verra. Jimmy Fallon, peut-être, on espère bien. Ils sont les trois modèles. Et c'est le caractère que j'ai. Et lui, la polémique, elle est égale à elle-même. Vous avez la maman commerçante, vous avez Ken Pianaki. Ce côté taquin de Zachary ne meurt pas. Même en étant député, il reste lui. Tu vois, c'est ça. Quoique, si vous voulez, vous avez un peu. Un garçon, oui. Ok. Les garçons au fond, et puis on revient en fille. Une question pour la personne pour qu'on avance, pour qu'on ait grand chose. Vous n'avez pas mal? Si. Ouais, vraiment, pour moi. Calme. C'est notre travail, hein. C'est comme fait le médecin. Moi, je pense que. Moi, je ne suis pas. Je ne vais pas dans les questionnements. Moi, c'est du genre, dans mes émissions, je vais dans la conversation. Moi, toutes mes émissions, ça reste de la conversation. Donc, je n'ai pas des manières particulières de poser des questions. C'est par exemple, quand on parle, je saute sur des phrases, des mots, des trucs. C'est certes, je reste dans l'actualité ou dans la situation et celle qui est maintenant au tout à l'heure. Mais après, je rebondis sur des petites choses aux obéis. Des causes à la baisse, c'est une galie. Pour mon cas, c'est beaucoup dans la variété. Aujourd'hui, par exemple, je donne un bête exemple. On a tous suivi le procès de Michel Camus à la télévision. Le jour que je. Non, il y a ma vitale la caméra. Je retourne papa caméra, il a tel accord à la TV, au moins les canards ajoutent dans ma caravane. Papa caméra, il y a un mot au Zamoyokandéni. S'il me dit qu'il était bien, il était relax, c'était un mot à Monakio. Au bout de la juge, je suis mabé. Un mot à Tarakio. Aux autres, il y a un avocat. Maître Mokolombe. Maître Mokolombe. Après, c'est qu'il y a un canard. En fait, c'est ça, vous voyez. Et la situation, on a utilisé Kaka. Évolution à l'isolo, dans la situation dans mon nez, toujours qui est dans la chemine, on a dit, la question de la tête, parce que tu peux, je ne suis pas très fan, j'ai fait des briefings avant l'émission pour n'aller pas, trop sur la France, c'est important. C'est comme ça que je prépare mes interviews pour mon cas. Tout ça, les briefings pour ne pas prendre pour le fond dans ce sol, je donne un bel exemple à Kofi Olomide. Kofi, beaucoup de femmes ont du mal à ressentir l'émission avec Kofi. Parce que Kofi est taquin, il n'est pas méchant, mais il est taquin. Donc, Kofi sera tout molio. Avant, il y avait une émission, il faut savoir que tout molio, même 40 aussi. Soit tout molio, un, on était maman, un des trois. Et d'oser déjà. Soit il y a eu quitté. Au matin, il y a eu. Soit il y a eu quitté. Mais à ça, on a dit que ma bête, il y a eu un peu de soin. Soit tout molio, à tout molio. Au tout molio, à tout molio, il serait évolué. Mais il y a des gens comme Werason. Ok, il y a ma blague, mais il y a une blague, moi, je vais comprendre. Tu peux être Wera aussi, mais ma femme n'est pas adresse. Les Wenge ont leur manière de fonctionner. Oyambi, papa chéri, ou quelle façon de rebouer, vous en avez risqué. Ben, la Wenge va chérir. Oyambi, Fali, Nicolas, comment on a quel piano, on a maniqué, on a yé, on a warrior. Au cours de ça, les blagues, on va comprendre, mais hey, je vais vous dire, je vais vous dire, mon pays. Mais par exemple, Fali, tu as dit, mais on va se mettre là, on est TTK. De refaire les passants à Baoya Yé, ce que le big va faire, et les gars qui viennent te marquer aussi vivant. Vous voyez? Parce que tout ça, il faut savoir gérer. Donc, ça dit tantôt sur la naïve que les camoutels n'ont pas le bâté, ou soit les camoutels n'ont pas le bâté, n'ont pas le bâté. Les camoutels n'ont pas le faire et ils m'ont pas faire. Pour se faire, il y a des marques aux heures, puis ça m'a quand même pas le bâté.
Il faut dissocier même le programme. Barack Obama, le président des États-Unis, a été reçu une fois dans une émission fun de courtoisie, de rire, avec Jimmy Fallon, qui pouvait se permettre de poser toutes les questions en rigolant. Ah non, on a dit Guillaume Atto, il est au Alamoto, ce qu'on a qu'à moi, tu vois, il se permet. Il peut le tutoyer comme il veut. Là, il n'est pas le, il est le président de la République. Le registre Moussou. Dans le contexte Moussou, il y a l'histoire de Moussou. Mais quand il va parler de l'économie des États-Unis d'Amérique dans une émission, écoute, ce que vous pensez, même la façon de poser votre question, c'est fait autrement, c'est agencé d'une manière, tu sens que, ah ouais, moi, Maliba n'en a fait oui. Exact. Bon, peut-être d'abord, vous souvenez, mais ça, parce que le président va un peu pour faire bisous. Pose un président, fais une interview, mais il faut qu'il y ait un peu. Fais une interview, ce serait déjà pas sûr. N'a garde la porte à briefer. Que vous posez président. Et ça, vous avez été. Vous avez déjà briefé. Vous posez question, déjà, vous avez traumatisé. Mais dans ma pays, quand même, vous êtes véritablement démocratique. Il faut qu'on y ait bas. Tu vois, ça dépend dans le contexte de l'émission, un peu comme la. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de manière, mais il y a des façons de faire et ça s'adapte par rapport au programme. Dans musique bar, écoute là-bas, personne n'est sérieux. Même si le président de la République venait dans cette émission, on sera jamais pris au sérieux. Mais si c'est une émission de grande envergure qu'il faudrait parler de l'État, écoute, tu ne t'autorises pas certaines blagues. Ça, il faut être réaliste en fait. Tu vois? Ouais. T'es contente? Ouais. Tu vas devenir comme elle? Oui. T'es sûre? Ouais. Oh. Quel bien. Donc quelque part il aime Noéla Moissi et il aime aussi Noéla TV, je suppose, parce que sinon il ne serait pas venu vers moi à moins que ça là. Il ne faut pas que mon mari à côté en porte à Baou et Yayo Kinta. Donc je pense qu'on est avec un bali solo, on parle, la qui c'est le programme d'Anga, il n'y a pas d'accès programme là, où Yayo Bouillon Kotate, Anga Bouillon Kotate, de manière à ce que ça va bien. C'est très facile avec le dialogue, voilà. Il faut parler et savoir, moi, on arrive à la limite, ça y est, sans pouvoir frustrer l'autre. Parce que soit on savait qu'il nous est là, on est là, donc soit on est là dehors, mais ne viens pas avec à la maison. Et lui, il est lui, toi, tu es toi. Et quand il faut cuisiner, tu le fais. Quand il faut aller faire ton travail, tu le fais. Mais c'est que ton mari commence à maintenant commencer à gérer ta vie au cours de sa maison, quand même, pour qu'on voit. Donc moi, je pense qu'une personne qui aime une autre, à Olinga, vous n'avez pas mis. Ça, le groupe, ça va simple. Donc, comme c'est pas simple ménager, donc vous voyez, nous mettons aussi du sambal. Vous voyez, vous balade, non, en tout cas, moi, les gens. Non, mais si vous parlez, je vois que le mari est un peu. Qui est essayé de nous tenir, le jour où c'est pas mal. Oui, pas mal. Ah, quel mari. Ah, on va mettre au bal là. Et à votre avis. Non, mais moi, en étant homme, c'est vrai, parce que tout à l'heure, le matin... Bah voilà, il y a un artiste comédien qui nous rejoint, qui vient directement. Francia, venez les filles, venez, tout ça. Un garçon fini. Voilà, un garçon fini, artiste comédien de son état. Salut, vous allez bien? Voilà. Finalement, les filles, finalement, nous, on est dans la finance. Sista Becky, viens dans la finance. Sista Becky, qui est artiste... Sista Becky. Hey, ça va? Salut les amis, ça va? Donc voilà, moi c'est Francia, humoriste congolais et comédien. Je
J'espère que certains d'entre vous me voient faire des spectacles souvent, faire rire et tout. Je ne vais pas parler de Canal Plus, mais c'est plus là-bas que je suis en train de diffuser mes spectacles. Voilà. Voilà. C'est Sabiki. C'est Sabiki, artiste, musicienne, rappeuse de la République démocratique du Congo. Rien à dire. Voilà. Nyota. Moi, c'est Princesse Watuila. Je suis artiste, comédienne et humoriste. Voilà. Elle a été au Marrakech du Rire. Ils ont été au Marrakech du Rire et on la voit pas. Moi, j'ai dit elle, elle est au Marrakech. Grand, c'est un peu plus vous comprendrez qu'il y a un problème de jalousie quelque part ici. Il y a des années précédentes. Quand tu as réussi dans la vie, ça donne ça. Donc voilà, on a plus de 10 minutes parce que Ken doit aller travailler. Sista et les autres sont arrivés en retard. Donc voilà, les amis sont venus nous voir parce que parmi eux, ils sont intéressés par l'unité de la télévision. Alors, il fallait qu'on échange. Il y a un groupe d'orphelins, mais aussi certains élèves des instituts de Bandai, c'est ça? Bien sûr. Voilà, qui sont parmi nous. Et on avait déjà commencé, puisque vous êtes en retard, les 10 dernières minutes, on vous les laisse. Avec, on a répondu aux questions, ensuite on prend les deux questions de la mademoiselle, s'il vous plaît, celle devant et celle derrière. Ma question exceptionnelle. Pendant que vous êtes journaliste, quelle fille vos moments? Le moment que vous aimiez vraiment, que vous préférez, que ça reste, c'est pas ce côté de ça que vous aimez, restez là dedans. Et quand vous pensez à ça, ça vous donne envie de toujours rester comme ça. Et ça, le moment où on a battu nos sous-sous, au cas là, est-ce que nous tournons tous les autres salons bien sûr? C'est l'amour, c'est la considération. C'est-à-dire, mais quand tu as un problème, il vient, va suivre.